Je me suis préparée un peu de la même façon pour les entretiens de motivation, c'est-à-dire préparer les questions types comme savoir se présenter, pourquoi est-ce qu'on a postulé dans cette entreprise, qu'est-ce qui t'intéresse dans le métier. Bien se renseigner sur l'entreprise. J'avais recherché sur internet si une personne l'avait déjà passé et il se trouvait qu'il y en avait bien une. Il avait mis toutes les questions en fait qu'il lui avait posées, donc je l'avais préparé en répondant aux questions et en me faisant un peu un scénario quoi. Et ensuite se renseigner sur l'entreprise et sur les activités du service dans lequel on a postulé. C'est vraiment important je pense de pouvoir discuter avec eux de vous faites telle activité, moi ça m'intéresse, quelles sont les particularités, comment vous travaillez tout ça. Donc si on s'est renseigné avant c'est beaucoup plus évident et on n'a pas l'impression d'être touriste. Et puis après en général aussi je regardais le LinkedIn des personnes qui allaient me faire passer l'entretien. Pour un peu savoir vers quoi orienter mon discours le jour J. J'ai fait des entretiens fictifs avec des proches, des parents, pour s'entraîner, pour que le jour J, lorsqu'on fasse un entretien avec un professionnel, avec notre futur tuteur, on ne soit pas surpris par les questions qui seront posées. J'ai demandé à ma famille autour de moi des questions types qu'on pose en entretien d'embauche, plutôt pour des stages ou pour des jeunes embauchés. Et puis aussi avec les entretiens de motivation, quand même des écoles qui ressemblent aussi un petit peu aux entretiens professionnels. Alors le job dating proposé par Polytech m'a permis de me préparer, de m'entraîner aux entretiens aussi. Et c'est aussi ça qui m'a permis de trouver mon alternance. Donc c'était vraiment un événement important pour trouver son alternance et il faut y participer si c'est possible. Bah, du coup j'avais préparé toutes les questions un petit peu sur l'entreprise, sur les produits qu'ils fabriquent, etc. Il y a quand même des questions pièges. Il y a des questions. Enfin, l'entretien de Polytech, il n'y a pas de questions pièges. Par contre, l'entretien avec des entreprises, parfois il y a des questions qui sont plus compliquées à répondre. Non, il y a plein de questions que j'avais pas anticipées, mais il y a des moments où j'ai su répondre à peu près, d'autres moments où j'avais pas forcément la bonne réponse, mais c'est parce que j'avais pas bien compris la question ou alors. J'avais pas la même idée en tête que ce qu'ils attendaient. Pour les questions un peu plus classiques, il faut laisser le naturel parler et il faut être détendu le jour de l'entretien pour que ça se passe bien. Ils m'ont posé beaucoup de questions sur l'entreprise, voir si je m'y intéressais. On m'a demandé pourquoi j'avais choisi EDF, on m'a demandé pourquoi je voulais faire une alternance encore une fois. La formation précédente, puis nos motivations, donc pourquoi on est intéressé par l'entreprise, pourquoi on est intéressé par Polytech, pourquoi on est intéressé par le génie industriel dans mon cas. Il y avait moi ce que je voyais dans ma carrière professionnelle, évidemment pour voir si c'est en cohérence, voir si je connais bien l'entreprise, si je connais bien le groupe, si je connais bien leur activité. Ils m'ont posé beaucoup de questions sur mon intérêt pour l'apprentissage. Et pourquoi spécifiquement la maintenance? Donc moi je suis dans un service de maintenance. Et en fait le but de l'entretien ça a été aussi de voir la cohérence entre la formation à l'école et puis ce qu'il sera possible de faire dans le service dans lequel j'avais postulé. Alors moi pour la cohérence entre les missions proposées et la formation que j'allais réaliser et mon projet professionnel, j'ai essayé de bien comprendre, bien analyser les missions qui étaient liées au poste et de bien mettre en avant les missions qui me plaisaient, les missions qui étaient en lien avec ma formation pour qu'ensuite bien valoriser les motivations pour lesquelles je postulais au poste. En donnant quelques matières en fait qui sont proposées dans ma formation et dire que c'est en cohérence avec ce que propose le poste. Ma mission c'est la gestion de projet et c'était clairement ce que je voulais faire. Donc c'était pas très compliqué à expliquer et puis ça se mariait bien avec la formation que j'ai à Polytech Lille. J'ai passé 3 entretiens pour rentrer ici. Le premier c'était un entretien très particulier, il y avait 4 questions. On avait 15 secondes pour découvrir la question et après la caméra se déclenchait pendant 1 minute 30, on était face au PC et on répondait à la question et à la fin la vidéo s'envoyait à l'entreprise. Ça c'était le pire entretien. Pas d'épreuves écrites ou en tout cas de tests, mais il y avait toute une série d'entretiens. Je crois que j'ai passé 3 entretiens au total, avec de temps en temps des demandes de compte-rendu d'entretien à envoyer, mais pas de tests écrits particuliers. J'ai eu ce qu'on appelle, je crois, des tests psychotechniques. Donc là, il y avait des tests un peu de logique et puis de personnalité, donc sur ce qu'on recherche au travail, quel caractère on a un petit peu. J'ai eu un entretien avec une entreprise spécialisée en électricité. Il y avait un test écrit, d'une demi-heure pour tester ses connaissances, sa culture générale de l'électricité. Mais dans la plupart des entretiens, il n'y a pas de test. C'est uniquement un ou plusieurs entretiens oraux qui sont réalisés.
Ouais, en majorité, j'ai utilisé le site internet. Regarder les actualités, qu'est-ce qui se passe à Chinon, qu'est-ce qui se passe sur le parc, quelles sont les actualités d'EDF de manière générale pour avoir un peu de matière et puis potentiellement les projets qu'ils ont eu à l'étranger, les projets qui étaient en cours et qui se lançaient. Donc ouais, le site internet en grosse partie. Dans le cas par exemple de ArcelorMittal, j'avais d'une part regardé le site internet. J'avais aussi regardé pas mal les articles de journaux sur, sur l'entreprise, sur un peu ce qui se passe chez eux. Et puis YouTube m'a beaucoup aidé parce qu'il y avait beaucoup de vidéos de la production d'acier à ArcelorMittal. Mes conseils pour bien préparer son entretien avec une entreprise, c'est de bien faire un CV propre et soigné, de faire une lettre de motivation adaptée à l'entreprise, de connaître son CV sur le bout des doigts, de se renseigner sur l'entreprise, de se renseigner sur la fiche de poste, de bien comprendre et de connaître la fiche de poste, d'imprimer tous les éléments qui nous semblent importants, de prendre des notes durant l'entretien et ensuite de poser des questions à la personne qui nous fait l'entretien à la fin de l'entretien pour bien montrer l'intérêt qu'on porte aussi à tout ce qui a été dit et aussi au poste pour lequel on postule. Je pense que l'important, c'est de se renseigner en amont sur l'entreprise, avoir un peu de matière pour pouvoir en discuter sur les activités, les actualités, les différents champs d'activité de l'entreprise. Et puis préparer des questions type, vraiment comme savoir se présenter, des choses comme ça, et puis donner les points récents, par exemple, est-ce que tu travailles cet été, ou des choses comme ça, des choses que tu as faites très récemment. Je dirais vraiment s'attendre à des questions qui déstabilisent, par exemple la question des défauts, c'est une question qui est posée tout le temps à n'importe quel entretien, celle-là. Puis se renseigner sur l'entreprise, parce qu'ils aiment bien voir qu'on s'y est intéressé, ça les motive à nous prendre. Développer un peu sur sa vie personnelle, sur ses qualités aussi, parce que c'est important de dire qu'on a des qualités. Après, pour pouvoir illustrer certains traits de caractère, c'est important d'avoir des exemples, soit dans ta vie perso, donc sur du sport, des associations, des voyages que tu as fait, des choses comme ça, qui te permettent d'illustrer les traits de caractère que tu présentes devant tes interlocuteurs. Quand on arrive à un entretien avec, en ayant bien révisé, en s'étant bien entraîné, en étant bien préparé, je pense qu'avec tous ces éléments, on arrive avec moins de stress, plus détendu et on arrive plus serein à l'entretien.